Regardez-vous. Vous regardez les caméras. Bonjour, bonjour. Je m'appelle donc Jean-Claude Meus. Je suis un apiculteur professionnel à Strasbourg. Strasbourg, c'est en France, dans l'est de la France. Et je suis à la tête d'une exploitation apicole qui gère environ 450 ruches de production. Je fais l'équivalent de 10 tonnes de miel par an. 10 tonnes de miel par an avec 450 ruches, c'est-à-dire que j'ai une production qui est supérieure à 20-25 kg de miel par ruche et par an. C'est énorme. Et je suis ici à... En termes de revenus ? En termes de revenus, eh bien, il faut savoir qu'en France, le miel n'est pas vendu aussi cher qu'ici en Casamance. Chez nous, quelqu'un qui a le salaire minimum, avec son salaire mensuel, il peut s'acheter l'équivalent d'une centaine de kilos de miel. Ici, dans les mêmes conditions, quelqu'un qui a le salaire minimum, c'est-à-dire dans les 50-60 francs, peut s'acheter l'équivalent de quoi ? 10 kilos de miel. C'est-à-dire que, à la fois, le miel est très cher, mais il est très valorisé. Beaucoup plus que chez nous. Et le problème qu'il y a, c'est que chez nous, on est capable, avec une apiculture moderne, qui préserve à la fois l'environnement, mais aussi la santé de l'abeille. Donc on ne vient pas en détruisant les colonies. Au contraire, on arrive à faire des produits de qualité, tout en permettant à l'abeille de bien vivre, de bien se développer. Et bien ici, on n'est même pas capable de faire l'équivalent de 4-5 kg de miel par ruche et par mois. Vous vous rendez compte le delta qu'il y a dans un pays, la France, où on a des tas de problèmes comme l'agriculture intensive, comme les pesticides, comme la monoculture. Alors que ici, l'hivernage, et quand je dis l'hivernage, il fait froid. On a du 0, du moins 10. Que ici, du 1er janvier au 31 décembre, il fait beau tout le temps. Même si de temps en temps il y a un peu de pluie, il y a des fleurs tout le temps. Ça veut dire que les abeilles travaillent tout le temps. Et ici, malgré tout ça, on ne fait que 4 ou 5 kilos de miel par ruche et par an. Comment expliquer ça? L'explication, elle est simple, c'est la formation, c'est les méthodes de travail. Je suis là pour ça. Et je suis là aussi pour créer quelque chose de très précieux, qui est la synergie qu'il faut mettre entre les différents intervenants, tous les acteurs de la filière, que ce soit les apiculteurs, que ce soit également les politiques ou les organismes de formation. Parce que ce qui me manque aujourd'hui, c'est la formation de base. Et donc je suis là pour essayer de mettre tout ça sur pied. C'est concrètement qu'est-ce que vous faites sur le terrain ? Alors sur le terrain, je suis venu là il y a 10 jours maintenant. Je pars demain malheureusement. J'ai pu rencontrer les acteurs, d'abord les centres de formation. On a fait plusieurs tables rondes. J'ai pu rencontrer également des apiculteurs avec qui j'ai fait une formation théorique en salle, mais aussi des descentes sur le terrain pour aller visiter les ruches et voir concrètement dans les ruches qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se passe ce qui se passe, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que les choses se passent correctement. Voilà, donc c'était l'essentiel de mes activités pendant ces 10 jours. Et en termes de potentialité, vous avez dû apercevoir le potentiel que détient la Casamance en termes de millénaire. Oh là 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 là. Il est gigantesque. Il est énorme. Énorme en matière de ressources. Énorme en matière de capacité. Manque, comme je l'expliquais, la formation. Manque les moyens. Les moyens. Il faut que dans chaque secteur, chaque grande commune, il y ait des regroupements d'apiculteurs qui mettent en commun leurs équipements, que ce soit des vêtements de protection, que ce soit des outils, que ce soit des ateliers de transformation, c'est-à-dire des mielleries. Tout ça, ça marche. Et puis, il y a une chose qui fait partie de mes ambitions, c'est que le miel de Casamance, c'est le meilleur miel du monde. Mais il faut le faire savoir. Il faut déjà que le produit soit correctement produit, c'est-à-dire que le miel soit correctement produit. Puis il faut mettre derrière des signes de qualité. Il faut que derrière, on puisse communiquer dessus. Il faut que toute l'Afrique vienne se précipiter pour acheter le miel de Casamance.
Et ça, c'est un des projets que je voudrais faire. Merci beaucoup. Là, vous êtes dans le marketing territorial.